Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas de l'arbitrage pour essayer de vous retrouver dans une zone économique où vous allez avoir le meilleur rapport coût-bénéfice pour les services publics que vous avez Ils créent en ce général des régimes fiscaux spéciaux mmh. pour les étrangers qui viennent avec des conditions où vous pouvez obtenir un passeport. Il y a une sorte de clientélisme en fait qu'on voit euh, euh, se manifester et euh, ça s'accélère. Finalement, le, les conflits sont devenus asymétriques. Euh, vous avez depuis en gros la première guerre du Golfe, je crois. Euh, la compréhension chez tout le monde qu'on ne peut pas battre l'armée américaine frontalement. La cryptographie asymétrique, par définition, c'est la défense la plus asymétrique qu'on a jamais réussi à créer. Il faut très peu de puissance de calcul, de ressources pour arriver à générer une clé. Et il faut une quantité de ressources infinie pour arriver à casser un Diffie-Hellman ou à casser une clé PGP. On est en train de donner des outils qui changent complètement l'équation de la violence. Et je pense que ça va mener vers plus d'états, des plus petits états, enfin des souverainetés plus petites, plus autonomes, mais aussi beaucoup de conflits parce que la manière dont ça va se créer, ce sera comme toujours dans l'histoire par la violence mais sur des modalités différentes. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et ils répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique... Exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Steve Dynamus, qui a réalisé la trilogie Les Talons Bitcoin, Les Talons Fiat et Principe économique, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network. Comme deux livres qui viennent tout juste de sortir L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars. Et l'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'oranger pile et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur How to Bitcoin. On est avec, on est en présence de Théo Mogenet avec qui on a déjà eu l'occasion de faire d'autres Vidéo, une qui, qui parlait de l'histoire de la monnaie et du danger du planisme central, un vaste sujet qui était vraiment intéressant, donc, dont je vous conseille d'aller visionner après cette vidéo. Parce que là, aujourd'hui, on va parler avec toi qui a une connaissance euh, pas mal de l'économie, de l'histoire de euh, économique, de, des, des courants de pensée, surtout autrichiens. Tu un peu notre référence à nous euh, quand on a des questions. C'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue. Je sais pas, pas trop comment te classer tes. Je te vois un peu comme un essayiste aujourd'hui et un, un penseur euh, par rapport à Bitcoin et l'économie. Je ne joue pas la prétention d'être un essayiste ou un penseur ou un intellectuel même de manière générale. Disons que c'est des sujets qui m'intéressent. Okay. Donc ouais. donc je te mettrai dans le la... terme branleur du coup. <laughs> ouais, non, non, ça, ça va bien. Non, non, mais euh... il ouais, faut donner des titres quand même. Sinon, bah, euh, comment... DG Europe de boules Bitcoin. DG Europe des boules Bitcoin, voilà. Ça, c'est un beau titre quand même. C'est un beau titre, et puis celui-là, je l'assume. <laughs> Bah, Félicitations pour cette place. Bah, merci, c'est cool de pouvoir travailler sur Bitcoin. Ouais, et puis euh, je suis très content d'ailleurs qu'ils qu viennent en France, qu'on ait enfin une solution self custodial pour pouvoir ouais. acheter et vendre des bitcoins avec une vraie plateforme pensée par des gens qui ont en tête la liberté individuelle et la souveraineté. Ouais, c'est beau, ça, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. <laughs> Aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, l'individu souverain euh, qui est un des thèmes d'un article qui va bientôt sortir. Je mets bien l'impression, là, t'auras plus. Je dans <laughs> deux semaines, il va sortir. <laughs> euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler parce que ton article est fondé à 99% sur la, la thèse qui avait été euh, euh, élaborée euh, dans le livre de Sovereign Individual. C'est qui l'auteur déjà C'est deux auteurs qui s'appellent mock et, et, et Davidson. Okay. Euh, et en fait, la thèse euh, de leur livre n'est pas la leur exactement. Ils ont repris okay. la thèse d'un historien de l'économie qui, dans les années 60, a publié un article dans euh, une, un journal d'économie académique, d'histoire d'ailleurs plutôt, économique, et dans lequel, euh, euh, donc le nom de l'article, c'est « The Economic Consequences of Violence », donc les, « Les conséquences économiques de la violence ». Et en fait, il propose un truc que je trouve assez intéressant, justement, quand on, on arrive à ces réflexions sur l'économie autrichienne, etc. C'est de dire et si on regardait l'État comme un producteur et non pas comme on le fait souvent en économie, comme cette espèce d'entité euh, qui serait hors des, des, des phénomènes économiques. Souvent, dans les livres d'économie, on va présenter l'État comme euh, euh, une entité qui cherche à maximiser le bien social, le welfare, euh, et donc effectivement on a cette cette sorte d'ambivalence qui est un peu bizarre où on, on notamment dans l'économie néoclassique donc mainstream ce qu'on qu enseigne aujourd'hui essentiellement à l'école où en fait on va dire bah tous les individus sont euh, des homo economicus calculateurs euh, qui cherchent à maximiser leur intérêt etc etc mais l'État ne serait pas comme ça et ses représentant non plus ce serait des gens bienveillants qui veillent à notre intérêt euh, qui en général ont une Connaissance maximale de l'information, une compréhension complète des phénomènes, etc. On fait rêver comme ça. Voilà, je, je suis pas très sûr que ça corresponde vraiment à la réalité. Alors, je vous rassure, les Autrichiens, on regarde pas forcément l'État comme ça, euh, mais ils vont plus le regarder en général sous l'angle de la philosophie politique, euh, euh, ce qui est déjà une approche plus, plus saine, je trouve. Par contre, euh, ce que je trouve intéressant avec l'article du coup de, de Frédéric Lane, euh, c'est que lui, il dit, bah, Finalement, est-ce qu'on peut le regarder juste comme un, un producteur économique qui fournit un service qu'on appelle la protection Parce que l'essence de l'État euh, en sciences politiques, c'est ça. Selon Max Weber, c'est le, le, monopole le, le monopoleur de la violence légitime. Et c'est vrai qu'en euh, euh, en, en philosophie politique, il y a cette réflexion de dire euh, OK, bon, on, on a souvent parlé ensemble des échanges, de la monnaie, de plein de choses comme ça. Mais avant qu'on puisse avoir des droits de propriété, avant qu'on puisse avoir tout ça. Il faut quand même une certaine sécurité, parce que sinon, c'est un peu juste la, la loi de celui qui a la plus grosse massue. Et euh, du coup, l'analyse la, de Lane, c'est de dire, euh, du coup, en fait, c'est peut-être le seul marché pour lequel, la violence, pour lequel il y a un monopole naturel. Parce que, en fait, le, le, la capacité à euh, euh, projeter de la violence, euh, elle est euh, quelque part absolue. C'est-à-dire que quand vous perdez sur ce, ce marché économique-là, vous perdez tout. Vous êtes réduit en esclavage, vous êtes colonisé, vous êtes... Et donc, en fait, euh, euh, il y a une sorte d'incentive économique à essayer de concentrer au maximum le pouvoir de violence pour essayer d'assurer sa propre sécurité, garantir un, un état de droit, la loi, etc., etc. Et du coup, quand on regarde à l'intérieur d'un état, euh, on est dans un espace de souveraineté qui est garanti par le fait qu'il y a ce monopole de la violence légitime sur des frontières bien définies, etc. Mais quand on regarde les états entre eux, à l'échelle internationale, euh, c'est souvent la, le rapport relatif de leur puissance, leur capacité à projeter de la puissance qui va définir euh, leur pouvoir relatif et donc qui peut rebattre les frontières, mener à des guerres, euh, euh, permettre à certains États d'avoir des intérêts sur d'autres. Et, et du coup, en, en fonction de, de la loupe que tu utilises... Tu peux voir un monopole alors que si tu regardes de, de façon plus globale, en fait, il y a une concurrence des violences et des monopoles de la violence à ça. certains endroits. Et en fait, même si on regarde, par exemple, aujourd'hui, on a une puissance hégémonique dans le monde, donc l'armée américaine, mais il y a quand même des, des zones et des territoires sur lesquels ils n'ont pas une capacité absolue en fait de police. Et, et on remarque assez mécaniquement que dans ces zones-là, il y a un pouvoir qui émerge. Euh, si vous allez en, en, en Afghanistan, là, par exemple, depuis que les, les états unis sont partis, ils avaient déployé des troupes pendant 20 ans. Ils sont partis euh, euh, au cours de ces deux dernières années. Et aujourd'hui, c'est les talibans qui ont repris le pouvoir. Et parce que c'est eux qui ont la plus grande capacité à projeter de la puissance. Et donc, après, ils, ils ont du coup ce monopole de, de la violence. Et après, il y a des institutions qui se créent, qu'on qu les aime ou qu'on les aime pas. Hein, mais euh, mais c'est une réalité, en fait. Et, et là, ce qui est très intéressant avec la, la thèse de Lane, c'est qu'il essaye d'expliquer l'anatomie de l'État donc pourquoi, par exemple, l'État tel qu'on le comprend à la Renaissance ou tel qu'on l'observe euh, au XVIIe siècle en Europe ou tel qu'on l'observe euh, durant la Révolution industrielle ou à l'époque moderne, pourquoi est-ce qu'il a une forme différente Pourquoi est-ce que par exemple on a des cités-États euh, dans la Renaissance et aujourd'hui on a des États-providence, stratèges, euh, etc., etc. C'est quoi juste pour euh, ce que tout le monde n'était pas euh, familier avec ça, une cité-État par rapport à un État Ouais, bah une cité-état en fait, c'est des constructions qui sont euh, devenues assez fréquentes à la, au sortir du Moyen Âge et où en fait des villes comme Venise, comme Bruges, comme Pise, comme Florence euh, sont en fait des, des, des états princiers. Donc, qui, 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 qui sont. Euh, euh, dont le, le, le territoire de souveraineté est limité à une ville et environ ses, ses environs, en, en quelque sorte. Aujourd'hui, et... en fait, on a, encore, on a encore ça un peu. Genre, ça devait être un peu des. Monaco, Monaco, des Monaco, Monaco, Singapour, etc. On peut les voir comme des cités-États aujourd'hui, okay. bien sûr. Et, euh, et en fait, euh, euh, ce qui est intéressant, du coup, dans la thèse de Lane, c'est de dire en fait, c'est la, la réalité de la microéconomie, de la génération de la valeur ajoutée, euh, qui va définir. Et la microéconomie de la violence qui va définir à la fois euh, du coup les gens qui génèrent le plus de valeur ajoutée et donc les gens auprès de qui l'État cherche à obtenir ses revenus. Parce que si l'État est cette, cette entité économique en monopole sur la violence, il tire ses revenus de la taxation. Euh, et donc en fait, d'une certaine manière, c'est un peu bizarre de voir les contribuables comme des clients qui paieraient pour un service de taxation, mais c'est un peu finalement ce que font les auteurs du, de l'individu souverain quand ils il, il montrent cette concurrence entre les États et qui disent finalement. Euh, si vous payez autant d'impôts et que vous avez très peu de services publics euh, en face, etc., etc., et que vous êtes un producteur nomade, euh, vous faites de la musique sur votre ordinateur, vous êtes un développeur, euh, euh, vous êtes un, un artiste, que sais-je, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas de l'arbitrage pour essayer de vous retrouver dans une zone économique où vous allez avoir le meilleur rapport coût-bénéfice pour les services publics que vous avez Donc, euh, euh, par exemple, un État avec peu de taxation et des services euh, publics fonctionnels, plutôt que de rester dans un État comme par exemple la France où les services publics commencent à devenir très dysfonctionnel et où la taxation est la plus élevée euh, au monde et en fait euh, du coup pour, euh, pour finir sur, sur l'idée de lane que je trouve absolument géniale ce qu'il essaie de dire c'est que si je peut-être plus simple de l'illustrer c'est que par exemple à l'époque féodale parce que c'était pour, pour reprendre un peu c'était un historien de la renaissance essentiellement et il, il cherchait à comprendre pourquoi on était passé de l'europe féodale à finalement ces cités-états de la Renaissance, Florence, euh, Pise, etc. C'est à peu près les dates euh, féodales, Renaissance, euh, le Moyen Âge en général On considère que c'est de la chute de l'Empire romain jusqu'au XIIe siècle à peu près. La chute. Donc bon, la chute de l'Empire romain, c'est euh, c'est 5e siècle. Okay. Euh, euh, et euh, oui, c'est ça. Et euh, donc jusqu'au XIIe siècle, et en fait avec l'émergence de Florence on a, au début du XIIIe siècle, okay. euh, on, on commence à avoir cette construction de cités-états. Et avec euh, pas mal d'innovations qui sont restées aujourd'hui, comme euh, l'invention de la comptabilité, euh, le, les prémices des premières banques modernes, mmh. euh, des, des corpus de droit qui commencent à ressembler un petit peu à ce qu'on va avoir ensuite avec euh, la, les, les lumières. Et en fait, l'analyse le, le, de line consiste à dire que quand vous êtes dans le féodalisme, en fait, vous êtes dans une économie où l'essentiel de la valeur ajoutée est générée par des paysans, qui du coup sont, sont c'est une, une économie agraire. Et donc l'outil de travail, c'est la terre. C'est un outil qui est inébruable et euh, donc le, le seigneur féodal en fait il prélève la dîme et la gabelle sur les paysans, les, les impôts de l'époque, euh, en échange d'une protection contre euh, des hordes de barbares, contre le seigneur voisin, contre éventuellement le, le paysan voisin qui chercherait à s'approprier votre terre ou je ne sais pas quoi. Et, et, et qu'est-ce qui sépare euh, un état féodal de nos états d'aujourd'hui Eh bah, ben le, l'idée le, le, du féodalisme, c'est justement cet ordre euh, de la société dans lequel on va avoir euh, un roi, des chevaliers, etc., etc. Donc qui est un ordre figé, entre guillemets, et euh, à euh, que, effectivement, euh, le... aujourd'hui, dans nos sociétés libérales, par exemple, euh, on n'a plus vraiment de classe de privilège. Euh, en revanche, par contre, lorsqu'on est <coughs> en France, après l'époque le, le, féodale au XIVe, XVe siècle, vous avez toujours un roi, vous avez toujours une noblesse, etc., mais dans le cadre d'un État-nation. C'est-à-dire que... Avec, à partir du XVIe, XVIIe siècle, on, doit, on commence à avoir euh, une coalition de peuples autour de la royauté, qui sont très, très divers les uns par rapport aux autres. Et du coup, l'État, le, le, la structure souveraine, se pense à l'échelle d'un fait national, euh, 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 partant des francs, clovistes, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, on n'est plus vraiment dans cette, euh, cette organisation. Euh, euh, on va dire essentiellement euh, chevaleresque et guerrière, si je peux le dire comme ça. Et surtout, on n'est plus dans une économie qui est vraiment agraire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a une économie déjà manufacturière, notamment en France. Euh, on a fait du commerce, etc. faut voir qu'au au Moyen Âge, il y avait quelques foires, hein, donc euh, il y avait quand même du commerce, mais c'était sur des petites échelles mmh. et c'était pas l'essentiel de l'activité économique. C'est-à-dire que si on regardait en PIB euh, aujourd'hui. On verrait que l'essentiel du PIB, bah, c'est des mecs qui labourent la terre. quoi. Mmh. Et du coup, pour revenir à la thèse de, de Lane, en fait, ce qu'il dit, c'est que du coup, la situation particulière du paysan, c'est qu'en fait, s'il perd sa terre, il perd tout. Il est pas nomade. Et il est très vulnérable. Parce que les outils pour projeter de la violence et se défendre à l'époque, c'est bah, un cheval, une armure, il faut un maître d'armes, il faut s'entraîner. Une armure, ça coûte cher. Euh, voilà. Donc on, on, on a finalement cette. cette Idée de l'économie de la violence euh, dans, chez Lane, qui est de dire bah, le mec a pas beaucoup de moyens, peu chers, de se défendre, et quand il se fait attaquer, il perd tout. Et c'est pour ça que le seigneur féodal peut en profiter et le taxer très fort pour lui fournir quasiment rien en échange, à part de la protection contre euh, euh, des visigoths mmh. Et en fait, ce que dit Lane, c'est que le capitalisme naissant dans la Renaissance arrive parce que, à ce moment-là, on ouvre des routes commerciales avec l'Orient. Et donc, une grande partie de la valeur ajoutée devient le commerce des épices, le commerce des, des armes, des artefacts, euh, des métaux, etc., amenés via la Méditerranée dans ces ports nouveaux. Donc, il y a beaucoup de richesses qui s'accumulent dans ces ports-là. Et donc, ils ont intérêt à sortir du système féodal pour justement recréer un espace de souveraineté à l'échelle de la cité-État. Et là, ça s'articule complètement différemment, parce qu'il ne s'agit pas de protéger des paysans contre des invasions terrestres, il s'agit de protéger des marchands et leurs navires contre des pirates, contre... Euh, des euh, euh, euh potentiels sur sur les mers. Il s'agit de les doter d'une monnaie qui va être plus internationale, qui est du coup plutôt un standard or ou des métaux qui vont être acceptés aussi euh, à Byzance ou mm -hmm. euh, ou à, à Carthage. Enfin, Carthage n'existe plus à l'époque, mais euh, en, en Afrique du Nord. Euh, il va s'agir de filer des, des tribunaux avec des contrats, de créer des assurances pour euh, compenser les marchands qui perdent leur cargaison, ce genre de choses là. Et en fait, le, le, le marchand n'a pas de port d'attache, c'est-à-dire que lui, il peut partir avec ses relations commerciales et son bateau, il peut aller s'installer à Barcelone si Florence commence à abuser de lui. Donc, il n'est pas du tout dans la même situation que notre paysan au Moyen Âge. D'autant plus que protéger un port comme Venise du fait de sa, de sa géographie, c'est très facile. C'est une, une, une ville qui a un mécanisme de défense très asymétrique parce qu'il n'y a qu'une entrée en fait dans le port. C'est très compliqué de rentrer et d'arriver avec une flotte sans se faire cramer. Mmh. Il y a des, des, des places fortifiées tout autour, vous avez juste à installer des, des canons et, et, et des archers, etc. Et ça devient très facile de se défendre. Et donc, à ce moment-là, du coup, ça change l'équilibre en fait entre le monopoleur de la violence légitime et le contribuable, donc le client de ce service de sécurité, qui devient client presque là. Et bah, ah non, il n'était pas vraiment. Je pense qu'il l'est en fait. C'est juste que là aujourd'hui, il a plus de choix dans le rayon du supermarché ouais. de, Mais quand as, quand de la as violence. Soit t'es pas client, tu t'es. T'as toujours le choix. Tu peux, tu peux partir. Ouais. Tu peux laisser ta terre derrière toi, etc. C'est juste qu'effectivement, ouais, c'est vrai, que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc c'est une question de coût-bénéfice, tu vois. C'est comme si tu partais aujourd'hui, j'ai pas de, de Facebook pour aller sur un autre réseau. Tu peux pas emmener tes données. Ouais, je suis, tu recommences à zéro de part, euh, c'est ton choix. Euh, on ton peut le voir. mais libre. Tu peux être client d'un autre service, mais tu recommences à zéro. Quoi. Voilà. une nouvelle aventure. On peut le voir un peu en autre On peut le voir un peu comme ça. Mmh. Et effectivement, euh, il, il se trouve que après, on a aussi des innovations technologiques dans l'histoire, comme par exemple l'invention de l'arbalète, qui est hyper importante euh, et qui est mentionnée dans l'Individu Souverain, qui effectivement rétablit ce rapport entre l'attaquant et le défenseur, notamment parce que euh, si vous vous rappelez, juste avant, je disais que bah, à l'époque du Moyen Âge, pour savoir euh, euh, monter à cheval pour savoir maîtriser l'art de la guerre de l'époque. Il faut beaucoup d'investissements beaucoup d'entraînement, etc. Une arbalète, c'est con comme la pluie. C'est vraiment une sorte de, de pistolet. Vous visez, vous vous euh, vous, vous armez, vous tirez. C'est pas comme un arc, il faut beaucoup d'entraînement, c'est compliqué à utiliser. Et donc, euh, notamment par exemple la bataille d'Azincourt, euh, euh, qui est une des premières batailles modernes euh, au XVe siècle, où on commence à introduire l'arbalète sur le champ de bataille, est une horreur en termes de nombre de morts et de, 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 de victimes... Et pour les gens de l'époque, les gens sont choqués parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de tel bain de sang parce que leur balette est tellement efficace. Et ça, ça change vachement, en fait, la, la, la réalité de, de militaire. On n'attaque plus de la même manière, on ne fait plus des défenses de la même manière. De la même manière, des Demester, euh, qui est un, un, un bitcoiner euh, euh, belge, à la base, euh, a écrit un article que je trouve assez génial qui s'appelle euh, « euh, The Bitcoin Reformation », en, en dressant un parallèle avec la réformation protestante au XVe, XVIe siècle, qui intervient dans ce contexte où on a des, nouveaux, des nouvelles technologies militaires, on a la presse imprimée qui arrive, donc des nouvelles technologies qui changent l'économie de la diffusion des idées. C'est beaucoup moins cher de propager des idées euh, euh, à l'époque de Luther que ça ne peut l'être un siècle avant, quand on n'a pas encore euh, l'imprimé du Gutenberg. Et un exemple que donne euh, Tchurdemester pour expliquer l'indépendance des provinces unies aux, de, de l'Empire des Habsbourg. Euh, euh, au XVIe siècle et montrer que finalement comment cette petite nation de boutiquiers, de commerçants et d'entrepreneurs qui n'a pas vraiment d'armée arrive à tenir en échec le plus grand empire de l'époque, justement parce qu'ils sont sur un, une zone géographique, les Pays-Bas, Province-Unie à l'époque, qui est très facile d'inonder, euh, puisque c'est des marécages, c'est des grandes plaines, etc. Donc on voit l'ennemi arriver à des kilomètres et... Euh, en fait, on peut laisser le truc euh, c à partir du moment où on, on détruit en gros l'équivalent des canalisations. Quand on peut laisser le truc inonder et du coup, bon, bah, on peut pas sortir. Mais en même temps, l'attaquant peut pas attaquer quoi, parce qu'il a 40 km de flotte entre 40 km de flotte entre nous et les murs. Et donc ça, c'est une asymétrie attaque-défense. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, on arrive à se défendre, et il faut beaucoup de ressources pour arriver à attaquer. Donc ça dissuade l'attaquant. Euh, c'est un peu l'art de la guerre de Sun Tzu. Euh, la meilleure bataille, c'est celle qu'on mène pas. Et bon, du coup, pour ramener ça à nos moutons aujourd'hui. Euh, l'article que j'avais essayé d'écrire, c'est se poser la question de ce que ça implique pour l'anatomie de l'État aujourd'hui, donc l'État-providence tel qu'on le connaît en France, État-providence et État-stratège, qui pour moi est un modèle qui vient de la France mais qui s'est exporté dans le monde entier, on y reviendra peut-être, et comment est-ce qu'avec l'émergence de la cryptographie, qui est une technologie de défense et les réseaux distribués et d'autres technologies qui, 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 euh, qui associées à la cryptographie, permettent de créer de nouveaux systèmes d'attaque et de défense, la cryptographie asymétrique, par définition, c'est la défense la plus asymétrique qu'on a jamais réussi à créer. Il faut très peu de puissance de calcul, de ressources, pour arriver à générer une clé. Et il faut une quantité de ressources infinies pour arriver à casser un Diffie-Hellman ou à casser une clé PGP, etc., etc. Et donc, euh, finalement, on se retrouve dans cette situation où euh, on a cette nouvelle technologie. Et si on regarde Lane euh, ou euh, les auteurs de l'individu souverain, on pourrait être en droit de penser que ça va profondément changer la réalité de l'exercice de la violence, de la création de la valeur ajoutée, parce qu'elle ne va plus être créée par des industries, mais de plus en plus dans le cyberespace, par des gens qui sont de plus en plus nomades, qui ont de plus en plus intérêt à aller chercher les juridictions où il y a le meilleur rapport coût-bénéfice, ce qui aussi a des conséquences pour la capacité à prélever de l'impôt, la soutenabilité des dettes, et ce qui va imposer, je pense, ces gouvernements à changer l'anatomie de l'État, à changer la manière dont ils s'organisent, et effectivement à devenir plus ligne à ressembler plus à des États libéraux, moins dispendieux, euh, moins dans le contrôle, tout simplement parce qu'ils ont plus les moyens de l'exercer. Alors, aujourd'hui, ça peut varier de fou quand je dis ça, alors qu'on voit de plus en plus de surveillance, de répression, mmh. etc. Mais il faut bien voir que les dynamiques dont on parle, elles s'étalent à l'échelle de siècles. Là, on a parlé, par exemple, de l'arbalète. On aurait pu parler aussi du, du, de la poudre à canon ou euh, du fusil que, du, qui a joué un rôle énorme, par exemple, dans l'indépendance américaine. C'est parce que c'est essentiellement des paysans qui peuvent utiliser un fusil. C'est ça, c'est comme une arbalète. C'est simple à utiliser et que les, les soldats britanniques, ils ont beau être entraînés en face. Ils ont à peu près les mêmes armes. Et donc c'est un, un rapport de force assez équilibré. Et euh, il, il faut voir que bon voilà tout ça ça s'est étalé sur des siècles. Et donc c'est possible qu'effectivement ce changement de la réalité militaire apporté par la cryptographie et donc qui modifie la microéconomie de la violence va aussi prendre des siècles à se réaliser. Donc okay, on le verra peut-être pas de notre vivant. Peut-être pas. Et en même temps on, on, on en voit aussi, je crois déjà aujourd'hui euh, des manifestations. Quand on voit par exemple le dumping fiscal qui est opéré par les, les gafam ou les grandes boîtes d'internet qui vont chercher à localiser leur chiffre d'affaires qui finalement est immatériel. Parce qu'une fois que je vous ai vendu un contrat de licence de software, je peux très bien dire que je l'ai vendu à Dubaï, à Hong Kong, même si le deal s'est fait à Paris. Mmh. Et du coup, on voit bien qu'elles cherchent, par exemple, à se localiser à Dublin, à Dublin, au Luxembourg, dans des États qui ont sciemment choisi de leur offrir un, 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 une équation coût-bénéfice très intéressante. Et en même temps, aujourd'hui, c'est ces entreprises-là qui génèrent l'essence, enfin, la, la plus grande partie de la valeur ajoutée dans nos économies. Et donc, on voit déjà par le haut du panier, entre guillemets, cette, cette, cette dynamique s'articuler. Et on le voit aussi chez des individus qui ouais. décident euh, de. Avec Dubaï, par exemple, qui, voilà. est, qui est sorti de nulle part et qui est devenue une, une mégalopole mondiale pour tous les entrepreneurs qui ont envie de, de sortir de, de la coercition des États et de, de ces impôts qui sont trop élevés. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, on le voit encore plus aussi même avec un phénomène qui a émergé après le Covid et le, la normalisation du télétravail, avec des gens qui maintenant vont euh, en Amérique centrale, en Amérique du Nord. Mmh. Euh, euh, alors, c'est des États où peut-être les services euh, publics sont pas forcément euh, euh, gigantesques, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'impôts non plus. Euh, surtout, en général, c'est des États qui cherchent à attirer les capitaux et les talents. Donc, ils, ils créent en ce général des régimes fiscaux spéciaux mmh. pour les étrangers qui viennent, des, avec des conditions où vous pouvez obtenir un passeport. Ou... Il y a une sorte de clientélisme, en fait, qu'on voit euh, 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 se manifester, et euh, ça s'accélère. T'as mentionné le, le rôle de la France. Hmm. Et je trouve, je trouve ça intéressant quand même de, de voir un peu c'est quoi notre patrimoine et notre, euh, ce qu'on a, ce qu'on a donné à ce mouvement. Surtout, euh, ouais, au, au mouvement de, de, la, de, la, création de ces États dans cette forme-là. Co comment exactement ça s'est matérialisé? À quelle période? Et, euh, ça a été quoi notre rôle là-dedans? c'est là, bah, là qu'effectivement je, on va dire, j'apporte une idée qui n'est pas forcément dans l'individu souverain. Mmh. Euh, qui est, qu'on peut challenger, hein, d'ailleurs, c'est vraiment une spéculation de ma part, qui serait que je pense que l'anatomie la, de l'état moderne, donc si on regarde l'état américain, l'état danois, l'état allemand, etc., ils ont tous leur particularité, leur constitution, leur singularité. Mais essentiellement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a des états qui ont été pensés pour l'époque industrielle. Donc on, on a beaucoup de services sociaux qui ont été pensés pour des gens qui, sont, qui vont à l'usine, en gros, qui font les 3-8, euh, qui vont du coup avoir une retraite. Euh, travail pénible, euh, il faut voilà, il faut penser à la fin de vie, euh, qui vont avoir des congés payés, qui euh, vont avoir euh, des services publics, qui ont besoin d'une politique urbaine pour qu'on crée des quartiers neufs, parce que souvent euh, les industries se créent bah, là où on a de la terre, là où on a un port pas loin, là où on a une source énergétique. Et on crée des villes nouvelles en fait au XXe siècle pour euh, euh, parquer entre guillemets ces hordes d'ouvriers. Les villes ouvrières. Voilà. Les villes ouvrières. Et en fait. Euh, je crois que cette cette manière de de, de penser l'État, cette structure même de l'État et cette anatomie de l'État a été inventée en France en fait aux prémices de la Révolution industrielle, donc avant même cette Révolution industrielle, où on était comme je disais, donc il faut voir à peu près le, le règne de Louis XIV, de, de de Louis XV, etc. où on est plutôt dans une époque manufacturière, donc on fait euh, de, déjà de voilà de de du de, de, de soie, de la soie pardon, des bateaux, euh, plein de choses. Euh, mais donc c'est essentiellement de la manufacture, de l'artisanat, des choses comme ça. Mais on a euh, en fait une, une, déjà une vision de l'État euh, chez des Colbert, chez des Richelieu, chez des Talleyrand après, euh, euh, qui est que finalement euh, euh, l'État n'est pas juste un, un, une construction qui permet de garantir euh, la paix civile et de résoudre les conflits, etc. Mais devient une force d'empuissantation économique. Donc il dirige les capitaux. Il va créer des, des, des places fortes, il va euh, euh, donner des subventions, il va définir quelles sont les industries stratégiques qui doivent être créées, ce genre de choses-là. Et il y a une célèbre un célèbre passage par exemple euh, euh, de Louis XIV, je crois, en, en visite ou Louis XVI en visite des, des, des manufactures de je si Saint-Nazaire ou un endroit où on fabrique des bateaux, où il demande euh, finalement aux gens sur place qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, et on lui répond surtout ne faites rien. Euh, euh, parce que c'est très révélateur, parce que ça dit déjà qu'on a de l'interventionnisme en fait, et on a déjà des gens en face qui comprennent que ça, 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 les, ça les dessert plus que ça ne les aide. Mmh. Et, et du coup, en fait, le point que j'essaie de faire dans l'article, c'est de dire que aujourd'hui, on présente par exemple les États-Unis comme un pays libéral, etc., etc. Mais quand on regarde finalement la réalité des structures et des institutions aux États-Unis, plein d'agences à trois lettres, un pouvoir exécutif qui a de plus en plus de, de puissance. Euh, une réelle politique à l'échelle mondiale qui ferait pâlir des gens comme Talleyrand ou Richelieu, euh, une conception de la redistribution qui, somme toute, euh, est très française, une fiscalité qui a été inventée par des inspecteurs des, fin des, 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 des finances françaises sous les ors du Louvre et, euh, et, et par la suite à Bercy. Euh, on a inventé tous les impôts du 20e siècle hein, en France. Euh, et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que toutes les modalités de l'État moderne, pour moi, ont émergé en France et elles se sont exportées dans le monde entier parce que c'était un modèle qui était adapté à la réalité économique de cette époque industrielle, et en fait, c'est quelque chose qu'on méconnaît, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à écouter des chansons américaines, à, 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 à acheter des produits chinois, etc., donc ça, ça rentre pas dans nos exportations, les, 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 les fonctionnaires et, et la, la culture de l'État, quelque part. Ça n'a pas été breveté. Ça n'a pas, voilà, pas été breveté, mais on l'a exporté dans le monde entier, je pense, et euh, je pense je, je, que quelque part on, on a une, une, une révélation de ça dans le fait que les débats politiques convergent de plus en plus vite vers ce qu'ils sont en France dans les autres pays c'est-à-dire que quand vous regardez les termes des débats politiques les mesures qui sont proposées etc euh, euh, les idées par exemple de revenus universel de théorie monétaire moderne etc c'est des idées qui ont été inventées sous Louis euh, XV par, euh, par par des gens comme John Law ou qui ont été inventées par des les Penseurs français, pareil, le, le tout le mouvement woke a été essentiellement à émerger de thèses philosophiques de Foucault. de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de, de voilà de, de Bourdieu, de, de philosophes français à la Sorbonne, au Collège de France euh, qui, euh, effectivement, après elles se sont incubées dans les universités américaines, elles se sont vraiment développées au monde entier depuis là et donc on pense que tout ça vient des États-Unis. Ah, Mais je en... faisais notamment des recherches là il y a quelques semaines et j'étais aussi sur le cul d'apprendre que ça, ça venait de chez nous en fait. Ouais le postmodernisme c'est c'est très français et notamment parce que je crois qu'on peut regarder le sujet comme ça c'est-à-dire que en fait on a à l'époque des Lumières on a deux conceptions de la politique qui émergent dans la lutte face à la monarchie absolue donc on a au XVIIe siècle en gros l'indépendance des provinces unies dont on a parlé avant vis-à-vis euh, -vis de la couronne des Habsbourg et euh, donc euh, empire d'Autriche et Espagne, quoi, euh, et on a... Euh... Qui, qui, qui vivent du coup leur révolution un peu de la même manière que nous, c'est ce que es en train de dire Ils prennent pas leur du tout. indépendance Ah non, pas non, du tout, avoir... ils prennent leur indépendance des Habsbourg, okay. mais c'est pas du tout comme la révolution française, okay. mais je vais y venir. Ensuite, on a la révolution anglaise également, la Glorieuse Révolution, qui a lieu en 1688-1689, où effectivement, on remplace le roi, etc., etc., mais c'est pas comme la révolution française. On garde la monarchie, on installe un régime parlementaire, on dote les individus de droits, représentés devant un tribunal de père, l'ABS Corpus, tout ça, tout ça. Vous avez vu ça à l'école. Mais la révolution française, c'est quelque chose d'autre. Parce que, en fait, la, la révolution française, dès Robespierre, en gros, dès qu'on passe le premier moment révolutionnaire et qu'on arrive dans, qu'on se rapproche de la terreur et ensuite dans la terreur, on a cette idée que le politique est là pour réaliser l'égalité. C'est là qu'il, c'est-à-dire qu'il est là pour garantir des conditions sociales qui vont être désirables. Et donc, c'est une sorte de social engineering. On a cette idée que l'État doit façonner la société. Et donc, on a deux idées, deux conceptions de la politique et du rôle de la politique complètement opposées qui s'opposent. D'un côté, l'idée, on va dire, très chère à Montesquieu, à Tocqueville, à Locke, à Hume, à Foucault, qui serait que... Euh, pourquoi je dis Foucault, là à, 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 Je pensais à qui Bon, c'est pas grave. Euh, qui, 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 l'idée que la politique serait garantir la liberté. Donc on, on, on dote les gens de droits, on fait la séparation des pouvoirs pour être sûr que l'État et ses représentants sont aussi soumis à la loi, qu'il n'y a pas d'arbitraire, de la violence, on garantit des droits de propriété. Tout ça, ça c'est des institutions qui sont au service de la liberté. On les crée pour que finalement les gens puissent être libres et le rôle de l'État, c'est juste de les faire fonctionner. La conception française très rousseauiste de l'État, c'est de dire « Non, le monde est mauvais quelque part et la liberté euh, ne permet pas de faire converger vers un État social désirable et donc il faut que l'État intervienne dans les phénomènes sociaux. » Dans les phénomènes économiques, par exemple, mmh. des très très présents au XXe siècle, euh, pour arriver à un état de la société désirable en général qui permet l'égalité, en fait, et corriger les injustices, et ce genre de choses-là. Et vous voyez aujourd'hui que le, la manière dont se pensent les politiques dans le monde entier, ils pensent que leur rôle, c'est de réaliser l'égalité, c'est de vous garantir un, un emploi, c'est de vous garantir un salaire, c'est de vous garantir euh, que les industries vont rester là, c'est de subventionner des industries stratégiques, c'est de de d'apaiser de, de, les dieux du climat, c'est de 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 faire de construire des routes, tout ce que vous voulez, mais et on y en a cette idée que sans l'État rien ne se fait et que si l'État n'intervient pas, on va quelque part tomber dans une sorte de chaos ou d'anarchie et que la liberté finalement est très dangereuse. C'est cette idée devenu la nouvelle religion. En fait. C'est ça. Et cette idée, enfin, c'est une, une divinité. Cette idée, elle a été inventée par la Révolution française. Il faut, faut vraiment le lire Marx et Lénine, par exemple. Ils regardent la Terreur, ils regardent Robespierre et ce qui se passe dans leurs écrits et ils disent mais c'est ça le modèle de ce qu'on doit faire. Et ensuite, cette idée, Lénine, quand il arrive à Saint-Pétersbourg, quand il revient d'exil, il arrive sur la Marseillaise. Hein. C'est-à-dire que son train arrive en gare et on joue la Marseillaise. Euh, et, 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 et en fait, c'est le blueprint pour la révolution communiste. C'est-à-dire que tout ce qui va émerger derrière au XXe siècle, euh, euh, j'ai envie de dire de régime dégueulasse, hein, euh, euh, que ce soit euh, le national-socialisme d'un côté ou le communisme, procède fascisme. de cette idée que... Là, l'ordre marché le libre-fer, le, li, le laisser faire manchestérien euh, de l'époque notamment après la crise de 29, ne fonctionne pas donc il faut absolument reprendre les rênes des phénomènes socio-économiques par le truchement de l'État. Et je pense que c'est comme ça qu'on en arrive après la, les guerres mondiales, etc., l'État-providence, etc. etc. Et donc en fait on méconnaît notre histoire et je crois que ce modèle a gagné le monde c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui à quelques exceptions près, on a la Suisse, on a quelques États comme ça qui restent à mon sens proches de l'idée libérale de la glorieuse révolution mais sinon, 99% des États dans le monde, dont ceux qui se revendiquent héritiers de cette conception euh, anglo-saxonne de la liberté, que ce soit les Pays-Bas dont on a parlé avant, que ce soit le Royaume-Uni ou que ce soit euh, les États-Unis, ils, ils se considèrent héritiers de ces idées-là, de la liberté, etc., etc. Mais en même temps, quand on regarde la réalité de l'État, de l'anatomie de l'État, des lois qui sont faites passer, de ce que font les politiques, de ce qu'ils racontent quand ils vont à la télé, etc., etc., c'est la non, terreur. Ils ont hérité de la terreur. Ils ont, en tout cas, hérité de cette conception de la politique à la française. Et la, la conclusion, finalement, de l'article dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de dire que ce modèle est en passe de devenir complètement anachronique, parce qu'on n'est plus dans un monde industriel. On est dans cette quatrième révolution industrielle qui a été galvaudée dans tous les sens, donc l'immixion du microprocesseur, l'arrivée des, ré, des réseaux, donc circulation de la valeur, de l'information très rapide qui peut être faite grâce à la cryptographie de manière privée, qui peut être faite de manière distribuée grâce à des systèmes cryptographiques et des systèmes d'incentive distribués en valeur autonome, en Bitcoin par exemple. Et ça, ça change complètement les modalités euh, de la création de la valeur ajoutée, de sa captation et l'exercice de la violence. Parce que vous ne pourrez pas mettre ma mes, mes word en prison. Vous pourrez me mettre en prison. Mais du coup, est-ce que vous avez plutôt intérêt finalement à faire une répression et essayer d'aller dénicher tous les bitcoiners et les menacer de la prison et tout Peut-être. Mais je ne suis pas sûr que ce sera la stratégie la plus efficace. Peut-être que la plus efficace, ce sera de le dire Non, non, mais nous, on vous aime bien. C'est de faire les. C'est de dire Non, mais moi, je vous aime bien, Bitcoiner. Venez chez moi. Venez investir chez moi. Venez travailler chez moi. Venez dépenser chez moi. Et je pense que les budgets du Salvador ont plus de, de, de beaux jours devant lui que celui de la France, euh, qui a déjà réussi à faire fuir, par exemple, tous les cerveaux de la révolution euh, euh, algorithmique, que ce soit dans ce qu'on appelle mal nommément aujourd'hui l'IA. Euh, euh, mais c'était déjà le cas en mathématiques appliquées, c'était déjà le cas en cryptographie, euh, on a les meilleurs mathématiciens du monde, et ils vont tous travailler pour des boîtes américaines, parce que elles sont imposées, parce que elles sont plus agiles à l'échelle internationale, dans un monde où, et d'ailleurs je trouve que les politiciens amé américains ont bien compris la réalité, la, la, création de la valeur ajoutée se fait partout et nulle part, parce qu'à partir du moment où elle peut être localisée dans le cyberespace, les frontières dans l'espace physique qu'ont créé les États n'ont plus, en fait, d'actualité. Et donc, Peut-être qu'il vaut mieux être clientéliste et attirer ces gens-là en ayant un État libéral avec le minimum de gaspillage et le minimum de taxation aussi. Et c'est effectivement quelque chose qui nous ferait sortir de cet État providence stratège, c'est comme ça que je l'appelle dans, dans l'article, euh, qui, à mon sens, encore une fois, a été inventé par la France, qui s'est exporté dans le monde entier sans vraiment que nous Français, on s'en rende compte, et qui aujourd'hui est le modèle dominant. Et ben, je pense que il est en train de mourir. Il est devenu complètement anachronique dans l'économie de l'aujourd'hui. Euh, et la forme de l'État nouveau que j'imagine dans une économie de la connaissance ou de l'information, appelez ça comme vous voulez, cette économie autour du cyberespace, ressemble peut-être plus effectivement à la Suisse, à Hong Kong, à des cités-États, euh, c'est-à-dire des, des zones très connectées, euh, avec des gens euh, euh, finalement assez peu taxés, et qui, encore une fois, vont là-bas parce que ils ont un bon deal. Et que en même temps, il génère beaucoup de valeur ajoutée, donc c'est intéressant pour l'État de les, les attirer. Hmm. Et c'est super intéressant. Moi, j'avais adoré ce livre de toute façon. Il m'avait, euh, j'avais trouvé la thèse super euh, élégante et Là, bien amenée. Si, si je peux t'interrompre un petit peu, ouais. c'est aussi pour ça que j'ai écrit cet article. j'ai adoré ce livre, mais en même temps, je trouve qu'il est un peu pénible à lire. Il est pas si bien écrit que ça. Il est très long, et je trouve que le, il y a un peu de répétition. Le cœur du de, 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 de livre, c'est cette idée, quoi. Ouais. Et ça pourrait être un article en fait, euh, ça pourrait suffire un article pour expliquer bah, après, ça. Après moi j'aimais bien en fait l'idée euh, d'aussi d'avoir un livre d'histoire. Mmh. Oui, bah, je, je connaissais très peu l'histoire euh, ce que j'avais vu en cours je l'avais un peu survolé je faisais ce qu'il y avait à faire et là c'était un moyen de, de repasser là-dedans, revoir les époques féodales, l'innovation technologique et tout Surtout qu'en plus, on le regarde rarement avec ce prisme-là. C'est-à-dire ouais. que quand on lit de des violence. historiens... Euh, moi, j'ai adoré lire Braudel, par exemple, parce qu'il regarde la réalité des phénomènes socio-économiques. Il regarde mmh. la technologie, il regarde ces choses-là pour expliquer comment l'Europe évolue et rentre dans une première mondialisation à l'époque de la Renaissance. Henri Pirenne le fait très bien aussi, mais c'est pas des historiens que vous verrez à l'école. Mmh. Et je me demandais, qu'est-ce que tu penses Parce que tu, tu parles de, de stratège et providence. Mmh. Euh, quand, quand tu dis stratège, c'est aussi que c'est des États guerriers qui, qui font la guerre. Pas en... forcément, c'est aussi l'État pompidolien, c'est-à-dire que l'idée de dire, par exemple, on va faire un grand plan pour le nucléaire, on va okay, faire un okay, grand plan vais... pour euh, les chemins le de fer. Euh... C'est ça, un, 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 on, va, on va utiliser la puissance publique pour, investi, pour investir des capitaux, flécher des capitaux et lancer des actions euh, que l'on pense que le marché ne va pas entreprendre par lui-même et que l'on considère dans la pensée. Stratégique euh, qui est faite au niveau de l'État comme essentiel. Et euh, quand vous voyez par exemple ce que les États-Unis ont fait vis-à-vis -vis de la révolution Internet, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, à essayer de recréer des infrastructures de production de microprocesseurs, parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, le monde est dépendant d'une seule euh, fonderie pour les puces euh, les plus précises du monde, qui est à Taïwan. Mmh. 40% des puces qu'on utilise, il y en a partout des puces aujourd'hui sorte de, de, de cette fonderie-là, et donc c'est vu par le Pentagone et par pas mal d'autres institutions qui réfléchissent de cette manière-là comme un enjeu absolument stratégique. On voit, par exemple, qu'il y a des embargos qui se mettent en place avec la Chine sur la distribution et la diffusion de certaines technologies, etc. C'est etc. ça, ce que j'appelle la pensée de l'État stratégique. Okay. Et c'est très présent, par exemple, chez De Gaulle, chez Pompidou, mais aussi chez Louis XVI, chez Richelieu, chez Colbert, chez, chez Talleyrand. Et, 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 et effectivement... Euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'États, notamment les pays de l'OCDE, les démocraties libérales, comme on les appelle, pensent comme ça. Euh, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand, euh, entre guillemets, vous pouvez prendre... Vous n'avez pas beaucoup de dettes, vous pouvez faire des gros déficits, euh, vous n'avez pas beaucoup de services de la dette, vous avez une population qui est arrimée à un territoire physique et qui ne peut pas trop éviter l'impôt. Donc, c'est quelque chose qui est, quelque part, très cohérent à la situation des années 60-70. Un petit peu moins post-mondialisation post-microprocesseur, post-Internet, post-Bitcoin et post-cryptographie mmh. asymétrique. Je crois que ça marche plus. Et d'ailleurs, on voit même leur pensée stratégique. Franchement, c est... C est... Ça, devient, ça devient anachronique. Euh, si mais... Par exemple, l'absence de pensée stratégique en Europe, si on regarde notre politique énergétique, euh, je pense que là, on a une volonté de par les institutions européennes d'avoir une politique stratégique. Mais en fait, euh, je ne vois pas quand le marché aurait pu faire pire. Quoi. Mmh. Là, là où je voulais un peu t'amener, c'était plutôt le, le côté euh, guerrier des États. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir aussi un changement là-dessus Parce qu'aujourd'hui, ouais. on, on en parle tout le temps. Euh, je, après, j'ai du mal à me dire qu'il y ait plus de guerre aujourd'hui qu'il y en avait avant. J'ai pas l'impression qu'on en parle plus. C'est pas comme ça que je le je, je passerai. En fait, je pense que. Euh, comment dire Je pense que les conflits vont prendre des natures différentes. Et on le voit déjà depuis la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que. Euh, est-ce que tu peux faire un parallèle, comment c'était avant et comment tu, tu ouais, penses que ça évolue évolué Le 20e siècle est, dans l'histoire humaine, le siècle de la destruction totale. On n'a jamais autant mis la technologie et l'économie au service de la guerre. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, désolé, je fais une petite parenthèse, mais qu'on mais... qu a des États qui sont construits comme ça, parce qu'ils ont été construits par les armées. Les, les, le fordisme, sans la Première et la Seconde guerre mondiale, c'est pas le fordisme, quelque part. C'est parce qu'on a eu un besoin d'un effort de guerre de produire des bateaux, des avions et des, et des, et des, et des missiles à la chaîne le plus rapidement possible, etc., qu'on a structuré l'économie comme ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. Et donc, euh, je crois que la, la, le XXe siècle a ceci de très particulier, que on a instauré les conditions de la paix à une petite échelle. C'est-à-dire que c'est un des moments dans l'histoire où il y a le moins de violence de personne à personne. Donc, En gros, c'est le moment dans... Dans l'histoire, pour une grande partie de la population, vous avez moins de chances de vous, faire, euh, de vous prendre un coup de massue par votre voisin. Par contre, c'est aussi le moment dans l'histoire où on a le plus de, de conflits et de destruction entre, entre souverains, entre nations. Avec les deux guerres mondiales notamment, mais aussi avec les guerres de proxy durant la guerre froide, etc., etc., le Vietnam, les guerres d'Indochine, les guerres de décolonisation, etc. Et depuis la chute du mur de Berlin et qu'on a une puissance hégémonique mondiale, on se retrouve dans cette situation où, finalement, le, les conflits sont devenus asymétriques. Euh, vous avez depuis en gros la première guerre du Golfe, je crois, euh, la compréhension chez tout le monde qu'on on peut pas battre l'armée américaine frontalement. Euh, ils ont juste beaucoup trop de matériel technologique pour ça. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qu'ont fait par exemple euh, les, les rebelles, quels qu'ils soient, dans les pays arabes, ce qu'ont pu faire des gens dans la guerre de Bosnie-Herzégovine, enfin en, de Yougoslavie, euh, c'est du conflit asymétrique, c'est-à-dire on se cache, ce qu'ont pu faire les talibans. C'est-à-dire, on, on, on va pas se mettre sur le champ de bataille et attaquer euh, les porte-avions, les drones et, et les lance-missiles américains comme ça. On va se cacher parmi la population, on va se dissimuler, on va faire passer des armes sous le manteau, on va créer des munis, on va faire de la propagande, tout ce qu'on appelle le terrorisme un peu aujourd'hui. Le terrorisme est une stratégie qui participe de la guerre asymétrique justement, mmh. parce que on sait qu'on ne peut pas gagner frontalement et donc on va essayer de saper la, la, comment dire, la, légitimité du pouvoir en fait euh, en montrant qu'il n'arrive pas à protéger sa population de manière à ce qu'il se disloque de l'intérieur. Et, 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 et ça, c'est vraiment un, un, des stratégies qui émanent d'un changement de rapport de puissance. Et je pense que le XXe siècle nous amène euh, justement dans un moment où on va avoir de moins en moins de conflits entre nations, parce qu'on a des armes de dissuasion nucléaire, et en fait, on a, vu qu'on a la capacité de faire exploser 40 fois la planète, euh, euh, juste avec l'arsenal russe ou américain euh, euh, aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité de conflit direct entre deux grandes nations, etc. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu la guerre froide et pas la guerre chaude, entre guillemets. Et je crois que ça, on va pas revenir en arrière. Par contre, je pense que puisque les souverains euh, se font challenger dans leurs frontières, leurs périmètres de souveraineté sont très endettés et voient leur pouvoir, dans le contexte d'un État provident stratège, s'effondrer, on va avoir de plus en plus d'irrédentismes nationaux, régionaux, de conflits localisés, de conflits ethniques, euh, de conflit pour la religion, ce qu'on voit beaucoup émerger aujourd'hui. Donc entre guillemets, c'est plutôt Huntington que Fukuyama, si je devais choisir entre les deux. Et euh, je crois que par ce exemple, c'est la différence entre la fin de l'histoire et le début. Euh... Ouais, Fukuyama c'était un, un, un penseur américain et également homme d'État qui disait à la chute du mur, c'est la fin de l'histoire euh, parce que voilà, euh, les États-Unis ont gagné la guerre froide, on va imposer la démocratie et le marché partout dans le monde et euh, le lait, et le miel vont couler, il n'y aura plus jamais de conflit, tout le monde va être heureux. Et Huntington dit, ben non, on a juste remplacé une fracture idéologique entre capitalisme et communisme par une, des, 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 des guerres qui existaient déjà et des conflits qui existaient déjà, christianisme d'un côté, monde musulman, etc., etc. Et il montre que dans beaucoup de pays, c'était le cas en Yougoslavie par exemple, avec des populations musulmanes, des populations orthodoxes, des populations chrétiennes, etc., qui vont commencer à se mettre, à, à se mettre euh, 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 sur la gueule. Et euh, je trouve qu'il n'a pas complètement tort quand on voit ce qui s'est passé depuis 40 ans. Et en revanche, je trouve qu'il y a d'autres choses qui sont d'autant plus intéressantes si on regarde par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. On a euh, effectivement euh, deux camps qui euh, se tapent dessus et euh, l'état birman qui est pas finalement qui a pas une grande capacité enfin qui a pas une capacité militaire euh, énorme par rapport aux, aux, aux factions euh, qui l'opposent et notamment les factions qui l'opposent, elles se battent avec des armes imprimantes 3D. Elles se battent en fait avec ces moyens modernes qui baisse le coût marginal d'exercice de la violence énormément et ça change complètement les cartes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, des gens comme Cody Wilson, comme euh, les gens qui ont été pionniers sur l'impression des armes en 3D, euh, sont, sont considérés comme très dangereux pour les États. C'est pour ça que la cryptographie est très dangereuse pour les États, parce qu'en fait on est en train de donner des outils qui changent complètement l'équation de la violence. Et je pense que ça va mener vers plus d'États, des plus petits États, enfin des souverainetés plus petites, plus autonomes, mais aussi beaucoup de conflits, parce que la manière dont ça va se créer, ce sera comme toujours dans l'histoire par la violence mais sur des modalités différentes. Moins des bombes larguées à euh, 30 000 pieds au-dessus de nos têtes, euh, euh, comme ça a été le cas à Dresde, ou je ne sais pas quelle ville en Angleterre, en Allemagne, euh, ou au Vietnam, et un peu plus par, finalement, des individus armés par euh, des armes imprimées en 3D qui se fournissent sur le Darknet, qui payent en Bitcoin, etc. etc. Et je pense que, désolé pour finir là-dessus, il y, y a une... Y a une euh, c'est assez quand même inquiétant que nulle part dans le, le paysage intellectuel français et dans les sphères intellectuelles de l'État, c'est marrant à dire, il euh, y a personne qui pense le monde en ces termes-là, parce que pour la France, ça implique quand même beaucoup de choses, euh, euh, et parce que sa puissance dans le monde, euh, la réalité du prolongement de sa nation, euh, la réalité de sa dette, euh, toutes ces choses-là. Et, et, et c'est aussi pour ça voilà, que je voulais écrire cet article, pour juste poser une question et dire si on analyse le monde comme ça, que, que penser du modèle français à l'échelle de la en fait, France si et à si l'échelle du monde Fin. <rire> 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 Quelle horreur <laughs> Oh, non, c'est pertinent. J'espère que cet article va être terminé <rire> <rire> et que tu pourras le partager et que ça pourra peut-être faire réagir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on va être obligé de voter avec nos pieds et de barrer parce que, d'un point de vue ouais, de bitcoiner, de, de, de quelqu'un qui commençait un peu au fait de, de la façon de penser autrichienne et de voir les, les dynamiques qui sont en cours, tu, tu te dis on va droit dans le mur. Bah, peut-être et... pas en fait. Peut-être aussi que si par exemple Bitcoin a une pénétration suffisamment grande, Peut-être mmh. que si on arrive à avoir des outils de privacy qui nous permettent de nous organiser, de conserver des libertés, de messagerie chiffrée, etc., peut-être que justement on sera suffisamment fort en nombre pour euh, provoquer un changement dans l'anatomie de l'État lui-même, dans l'articulation de la souveraineté française, etc. L'autonomie d'une région qui du coup serait complètement différente dans son modèle économique et social et dans son modèle politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va aller. Je sais pas. Mais on voit, par exemple, très bien avec l'Écosse, avec la Wallonie, avec la Catalogne, on voit ces irrédentismes avec la Bretagne, avec la Savoie, avec la Corse. Ils sont de plus en plus nombreux, et je pense que c'est pas impossible qu'ils arrivent à, 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 à avoir du succès euh, pour les raisons qu'on vient de citer. Et donc, je, pour euh, rebondir sur ce que tu disais, peut-être que outre euh, l'exil entre guillemets euh, euh, des bitcoiners, peut-être qu'il y aura aussi euh, une sortie par le haut mais qui passera par euh, un changement dans l'anatomie de l'État et euh, une recomposition des frontières, en fait, d'une certaine manière. Bah, J'ai hâte de voir ça, je suis curieux, je suis curieux du futur. Et peut-être que ça ne sera pas de notre vivant aussi. Ouais. En même temps, bon, ouais, je suis plutôt partisan que ça va s'accélérer, euh, parce que la d'information aujourd'hui bouge plus vite, les choses se passent plus vite et on a l'impression son que... Les, les, les échelles de temps se réduisent et je me dis, il y a moyen qu'on voit beaucoup de choses quand même. Mais mmh. par exemple, le Texas aussi, c'est un bon exemple. Ouais, euh, ouais. On voit de plus en plus quand même de, de volonté d'irrédentisme au Texas. Euh, et mine de rien, euh, ils ont une autonomie énergétique, euh, ils ont euh, c'est la capitale technologique de la planète aujourd'hui, enfin, c'est le haut le, lieu le, le technologique de la planète. Ils ont une puissance économique dingue. Euh, et puis, ils ont une autonomie, une unité culturelle, euh, une sorte d'uniformité de population. Euh, quand même, euh, euh, et en plus, c'est que c'est un endroit où le rêve américain est toujours intact. Alors que bon, euh, vous allez à Washington aujourd'hui, euh, je pense que le, justement, on est dans la conception politique de la France et euh, l'état est de moi et plus dans le rêve américain. Mmh. Et donc, euh, 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 le schisme qui se fait entre euh, euh, les élites new-yorkaises boboisées, euh, qui épousent cette conception de l'état la française, etc., etc et un peu, on va dire, les rednecks texans qui en ont marre que, que ces gens-là leur expliquent euh, ce qu'ils doivent faire et, et, et qu'ils doivent transférer de l'argent aux autres États, etc., etc., bah, ça pourrait être un État autonome. Euh, je ne dis pas que ça va arriver demain, je ne sais pas très bien quelles seraient les conséquences et je ne pense pas que les États-Unis laisseraient faire comme ça, enfin les 49 autres États, mmh. mais ça ne me paraît pas du tout impossible. Okay. Bah, hâte de voir la suite. Hâte <laughs> <Et à rire> de voir ton article publié. Yes, ben bah, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Ouais. Et puis, Ça, euh, plaisir. Je suis content qu'on qu ait pu en parler aussi. Ça non, permet aussi un de sujet trop important. À chaque fois, j'essaye de d'en parler avec les, les personnes avec qui je parle. Mais déjà moi, j'ai j'ai pas ta compréhension euh, du, du sujet du livre. J'arrive pas à l'expliquer aussi bien. J'ai pas passé autant de temps aussi que toi là-dessus. Et j'étais, je suis content de enfin pouvoir euh, voilà le partager avec. Euh l'audimat. <laughs> Après, pour être, pour être honnête, hein, moi, j'ai pas forcément non plus euh, suffisamment de connaissances historiques mm. euh, pour euh, analyser tout ça avec le, la granularité que je voudrais. Et c'est aussi pour ça que je, je, je l'écris comme ça, entre guillemets. Euh, L'article est beaucoup un exercice de style aussi. Hein. J'essaie vraiment de, de faire, enfin, de, de, de l'écrire dans une bonne langue. Mais ce n'est pas un article très sourcé, très documenté, très référencé, parce que c'est vraiment un essai dans la tradition française. Le but, c'est de donner une thèse. Mm. Mais j'aimerais bien que des historiens viennent la challenger ou viennent apporter. Des éléments euh, qui appuient cette thèse, des éléments historiques, euh, et prolongent cette réflexion, parce que moi, je n'ai pas les connaissances pour le faire. Ouais. Bah, si vous nous regardez, n'hésitez euh, pas à porter votre aide à Théo est disponible <laughs> sur, les, sur les réseaux. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez euh, pas ouais, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à regarder la, la suite de nos contenus. On n'arrête pas de produire euh, deux vidéos par semaine et ça continue et ça ne s'arrêtera pas. Ciao. Bah, merci encore, les gars. Merci.